Pour les sportifs sélectionnés à la 6e édition des Jeux mondiaux militaires de Myeongjong, c'est une nouvelle opportunité de se confronter à l'élite mondiale. En effet, déjà cet été, en Écosse, les sportifs de haut niveau de la fédération, en particulier Lucas Basset et Frédéric Tranchant, ont obtenu d'excellents résultats. Ils sont respectivement médaillés d'argent et de bronze. Donc tous les espoirs sont permis pour ces Jeux mondiaux militaires et on espère bien qu'ils seront capables de réitérer un très haut niveau de performance et pourquoi pas rapporter de nouvelles médailles. Les équipes civiles et militaires ont l'habitude de coopérer, notamment pour préparer les sportifs des deux équipes techniquement pendant l'année lors de stages communs. Le Centre national des sports de la Défense de Fontainebleau accueille également le pôle espoir de course d'orientation. Je souhaite donc de bonnes courses à tous les sportifs de l'équipe de France militaire de course d'orientation pour ces Jeux mondiaux. Et ben, j'espère qu'ils porteront haut les couleurs de la France. Jeux mondiaux militaires de Myeongjong, ensemble vers la victoire!